Bonjour, et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Manifestation de Dieu pendant le chapelet de la Divine Miséricorde. Le tableau de la Divine Miséricorde, c'est Jésus avec des rayons de soleil, bleu et rouge, qu'on peut voir sur la table de la vidéo. Donc, cette jeune femme récite le chapelet de la Divine Miséricorde quand un rayon de soleil passe au-dessus de son cœur et de sa poitrine. Il s'agit sans doute de l'intervention de Jésus. Voilà, vous avez été à Medjugorje, vous avez trouvé la joie, la prière avec le cœur, l'adoration, les chants, le chapelet. Mais seulement cela a duré une semaine. Puis, vous êtes revenu dans votre petit village ou votre grande ville. Et vous n'avez pas retrouvé cette ambiance de prière et de joie qui vous a poussé à prier davantage. Le conseil que je vous donne, c'est de faire ce que vous pouvez, c'est-à-dire d'essayer d'organiser un groupe de prière, par exemple. Ce sont des personnes qui se réunissent, qui prient ensemble, qui se téléphonent régulièrement et se voient souvent. En gros, ils prient les uns pour les autres et l'amour doit se développer entre eux. Il peut y avoir des petits exercices religieux, comme trouver quelque chose de beau dans la nature et le ramener, puis en discuter. Ou alors choisir la personne la plus éloignée de votre groupe, de vous rapprocher davantage de lui et de s'intéresser à sa vie et à ses problèmes. Vous trouverez certainement d'autres idées sur Internet. Vous pouvez faire une adoration perpétuelle. C'est-à-dire, il doit toujours y avoir une personne qui prie devant le Saint-Sacrement. Par contre, il faut être nombreux. Peut-être que vous pouvez le faire que pendant la journée et pas la nuit. Ce qui est important, c'est de ne pas abandonner la prière avec le cœur, de faire des œuvres pour Dieu, montrer aux autres ce que vous aimez dans la religion catholique. Vous pouvez aussi organiser un temps pour réciter un chapelet. Ne perdez pas espoir. Continuez votre prière dans votre coin. Progressez dans la prière. L'Esprit Saint influencera certainement votre paroisse. Et de nouvelles choses arriveront. Confiance. Pour prier Marie, il y a une prière qu'elle aime beaucoup. C'est le rosaire. C'est un peu comme si vous lui envoyiez une petite rose. Alors, pour vous expliquer rapidement, vous connaissez tous les deux grandes prières des catholiques. Le Notre Père et le Je vous salue Marie. Si vous ne les connaissez pas, cherchez sur Internet et apprenez-les par cœur. Alors, le rosaire, vous dites un Notre Père et dit Je vous salue Marie, puis un Notre Père, et vous méditez la vie de Jésus. Et vous faites cela 5 fois. Il y a des personnes qui aiment faire des rosaires et qui font ça toute la journée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ne prie pas de la même manière. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la religion catholique, il y a beaucoup de choses et beaucoup de personnes à prier. Par moments, on ne sait plus qui prier. Moi, je passe beaucoup de temps à prier Marie, mais voilà qu'elle demande de prier Jésus. Alors je suis obligé de remplacer une ou deux prières faites à Marie par des prières pour Jésus. Puis Jésus me demande de prier le Père. Et j'entends parler sur Internet qu'il faut prier l'ange gardien, que c'est très efficace. Et il y a aussi Padre Pio, Marthe Robin, Sainte Thérèse. Finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut essayer de prier les saints et les anges et de voir si le courant passe ou pas.
avec une préférence pour Jésus et le Père évidemment. Et il faut garder une place pour Marie, car c'est quand même elle qui nous oriente. Marie aime beaucoup les lettres. Si vous avez du mal à prier, vous pouvez lui écrire. Et enfin, ce qu'elle nous dit aujourd'hui, c'est de dialoguer avec elle, c'est-à-dire de lui raconter toute votre vie et tous vos problèmes, comme si c'était une grande amie. Vous pouvez la tutoyer, car le vouvoiement est une marque de respect, mais avec une certaine distance. Vous pouvez même lui trouver un petit nom, comme Marie ou ma maman du ciel. N'ayez pas peur de l'aimer, elle vous le rendra. Cathédrale de Berlin. Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle tous à vous décider pour la sainteté. Petits enfants, que pour vous la sainteté soit toujours à la première place dans vos pensées et en chaque situation, dans votre travail et dans vos paroles. Ainsi vous la mettrez également en pratique. Peu à peu, pas à pas, la prière et la décision pour la sainteté entreront dans votre famille. Soyez vrai avec vous-même et ne vous liez pas avec les choses matérielles. Mais à Dieu, et n'oubliez pas, petits enfants, que votre vie est passagère comme la fleur. Merci d'avoir répondu à mon appel. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la prière, particulièrement aujourd'hui où Satan veut la guerre et la haine. Je vous appelle à nouveau, petits enfants, priez et jeûnez, afin que Dieu vous donne la paix. Témoignez de la paix à chaque cœur et soyez porteurs de paix dans ce monde sans paix. Je suis avec vous et j'intercède devant Dieu pour chacun de vous. Et vous, n'ayez pas peur, car celui qui prie n'a pas peur du mal et n'a pas de haine dans son cœur. Merci d'avoir répondu à mon appel. Message de 2001 à Medjugorje. Fermez les yeux et répétez après moi. Prie, Marie, pour que nous puissions tous aller à Medjugorje. Et prie aussi pour tous les abonnés qui sont malades. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous pouvez me contacter. Voici mon email, remy.croassier@orange.fr. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Elle est vraiment top cette vidéo. Oui, enfin, elle est sympa. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit A en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.